Je vais vous présenter le pas chassé spécifique à la lutte libre. Alors ce geste, il est important pour nous, on va dire en lutte libre, parce que ça se rapproche énormément de notre garde de lutte. Toujours pied droit, en face de soi, toujours dans la même direction que le regard. On se déplace en faisant attention, hop, un pied après un autre, un pied après un autre. Les genoux, pareil, fléchis, toujours droit aussi. Pas vers l'intérieur ou pas vers l'extérieur, parce que c'est dur de se déplacer comme ça. Position du dos droite, il faut avoir un dos assez solide. Il faut tenir la position. Les mains, comme je vous ai dit, il faut se protéger de l'adversaire. Du coup, toujours devant, les mains aussi solides, toujours tenues fermement.